Alors, mesdames et messieurs, salut, j'espère que vous allez très bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver, comme d'habitude, sur votre chaîne MyFrica TV, dans le cadre de votre émission Le Ranka. Vous connaissez le principe, nous, on se déporte vers l'invité, on s'en va rencontrer l'invité pour puiser dans sa carrière, de son expérience, pour inspirer d'autres. C'est une émission qu'il faut suivre à tout prix, mesdames et messieurs. On vous dit toujours... Faites l'effort d'inviter les amis à connaître la chaîne. Faites connaître la chaîne en partageant, en commentant, en likant et tout. Nous sommes ce jour au niveau de Bepanda. On est allé à la rencontre de l'un des artistes humoristes camerounais qui a roulé sa bosse et très bien connu de l'autre côté de l'Ouest Cameroun. Lui, c'est monsieur Timbamboa. Il nous a donné rendez-vous à l'Anno Hotel. Suivez-nous à l'intérieur pour son interview. Let's go. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes bien sûr avec Timba qui nous a donné rendez-vous à l'Anno Palace. J'ai dit tantôt, c'est une référence sur l'agglomération du littoral et plus précisément dans Douala 5e. Timba n'est pas loin de nous. Bonjour Timba. Bonjour. Est-ce qu'il y a la forme ce matin? Très très en forme. Très très en forme. Alors, dans tous les cas, il faudrait parler sur ton microphone. Voilà, très très en forme. Ok. Alors Timba Mboa. Ta voix n'est pas du tout facile parce que ton agenda est assez chargé. Je ne sais pas, qu'est-ce qui charge cet agenda en question? Bon, il faut le dire, mm-hmm. Il faut le comprendre aussi. Je ne suis pas très, très disponible. Ouais. Je suis un peu très, très diversifié. Mm-hmm. Je suis un peu surchargé. Ouais. Je suis, en dehors d'être humoriste, comédien, mm-hmm. Je suis imprimeur. Ouais. Je suis créateur d'œuvres d'art. Mm-hmm. J'ai beaucoup de charges. Ouais. Je suis père de beaucoup de familles, mmh. Et puis ça me prend beaucoup de temps. Justement. Alors Timba, c'est toujours un réel plaisir de te voir. On est en train de demander, si on pose la question de savoir, qui est véritablement Timba Mboa? Timba Mboa, c'est avant tout ce petit garçon né dans les années entre 70 et 80, mmh. à Loum kilomètre 99. Mmh. On appelait Nintiné. Mm. Je suis Bafon, mm. Frère de Wes Madiko, mm. De son vrai nom est le Kwedi Martin. Ouais. Et frère de Benji Mateke, Manga et consorts, on est tous de la même zone. Ouais. Et je suis Timba Mboa qui est né humoriste. Mm. Je fais rire, mm. Comme je veux, quand je veux. Ouais. Et où je veux. Je suis Timba Mboa, artiste, musicien, parce que j'ai commis un album sur le marché discographique en 2002. Mm-hmm. Intitulé, on n'a pas l'intitulé de l'album? Le titre de l'album, à l'époque là, il n'y avait pas ce qu'on appelait le titre de l'album, il y avait les titres phares. Il y avait des morceaux qui... Morceau phare de l'album, c'était quoi? C'était Condoléances. Condoléances. Oui, parce que je venais de perdre mon père. Je venais de perdre mon père en 99 et j'ai fait un slow pour lui. Mmh. Et ça m'a fait couler beaucoup d'encre. Ça m'a fait couler beaucoup d'encre et de larmes. Mmh. Et j'ai fait beaucoup de concerts par rapport dans la communauté de mon village. Ouais. Parce que mon père était un grand notable chez nous. Mmh. Et est-ce qu'avant de continuer, bien que les années soient passées, est-ce qu'on peut écouter un peu avoir la capella de ces chansons, condoléances? Et au studio, il y avait un collègue de Douala, ouais. Qui venait se faire enregistrer. Qui me voyait, qui me trouvait un peu embobiné là et mon maître me bastonnait, mm-hmm. Parce qu'il voulait que je sois à la gamme, ouais. Et qui m'a aidé à me faire comprendre la gamme, mm-hmm. Et je parle de Patrick Zeki, mm-hmm. Le doigt Patrick Zeki. De regretter mémoire. Oui, de regretter mémoire qui a chanté et Kenangando, ouais. Bakoma Boam, mm-hmm. Et qui m'a donné un ton dans le même
dans la même, le même morceau, ouais, qui allait justement dans ce que j'étais en train de dire. Un peu comme ceci en voilà. Ne ponde mon anioué, nasima kone no tomoto. Ne ponde mon anioué, mama. Et ça allait justement dans le sens de, du thème que j'ai débatté dans, dans mon slow. Et puis bon. Est-ce que c'est la naissance de Timbadan, le Mongo, qui lui concède cette appellation de Timbamboa? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, quand quelqu'un s'appelle Mataline, on l'appelle Matalina. Ouais. Quand quelqu'un s'appelle Madeleine, on l'appelle Mado. Quand quelqu'un s'appelle Julien, Julien, on l'appelle Juliana. Moi, je m'appelle Emmanuel Saint-Timbert. Nishi Tizola. Saint-Timbert. Ouais. C'est de Timbert que vient Timba. Bon, et comme je faisais dans là, j'ai donc pris Timbert, qui est une appellation grégorienne. J'ai donc associé à Douala qui est Timba. J'ai mis Mboa, qui veut dire retour au pays natal. Timba Mboa. Retour au pays natal. Oui. Retour au pays natal sans avoir voyagé, c'est quand même curieux en même temps. Bon, 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 non, 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 non. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Moi, je voyais beaucoup, hein. Ouais. Je voyais beaucoup. J'ai même créé un concept. J'ai beaucoup voyagé. Il y a des gens qui ont créé Orange Money pour aller sortir de l'argent dans un téléphone à l'autre. Moi, je suis en train de créer un concept pour sortir de l'argent que j'ai dans ma tête et dans mon compte. C'est-à-dire qu'on appelle ça mémoire monnaie. C'est-à-dire que genou monnaie. C'est-à-dire que j'ai 28 milliards ici. Il faut que je sorte de ça. Transférer l'argent qu'on a dans la tête. Que j'ai dans ma tête pour. J'ai 28 immeubles à Yaoundé Petit. Il faut tellement que ma mémoire. Ah oui. Tu sais, j'ai envoyé mon premier fils à l'école de technologie de l'informatique. Pour qu'il vienne me faire sortir mes 33 milliards qui sont ici là. Pour mon compte. Et puis. Bon, Timba, le quotidien, c'est vrai, quand on a la chance de rencontrer des personnes qui vous connaissent, on dit c'est toujours un monsieur qui aime faire rire, même pendant qu'on vous avez causé. Souvent, on croit qu'il n'est même pas sérieux. On ne sait pas quand il est sérieux. Qui en famille, ça se passe comment? Est-ce que c'est facile de gérer la famille? Est-ce qu'il faut toujours injecter de l'humour? Est-ce qu'on a toujours la même casquette dans la maison? Bon, 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 c'est vrai, nous autres là, c'est vrai, on est un peu compliqué, hein? Parce que, heureusement, c'est Dieu qui donne la femme de chacun. Ma femme est devenue comique, malgré elle, comme un médecin malgré lui, de l'écrivain français là. Ma femme est devenue comédienne malgré elle parce que, bon, elle est obligée d'être comique, comme son mari, c'est-à-dire que, parfois même les gens se disent que c'est ta soeur. Je dis que non, c'est ma femme. Elle dit que mais elle est comique comme toi là. Que bon, là, c'est au vu du temps. C'est pas facile, hein, petit. Si vous dites que je suis à 23 ans de mariage, vous n'allez pas croire, hein. 23 ans de mariage. Oui. C'est ce mariage qui a tué ma carrière. Hein? Oui. Mon mariage a tué ma carrière parce que je me suis marié tout. Quand je rattrape mon talent, je suis encore marié et puis je dors dehors, ça crée le plume. Commence à faire des enfants partout dans les petits quartiers là. Et puis, je suis un peu surpris qu'un responsable. La star qui fait des enfants. Oui, la star mania m'a emporté alors que j'étais déjà responsable. J'avais un compte à rendre à une femme qui était sous mon toit. Et puis, j'ai passé mon temps à imiter, à interpréter Petit Pays dans les cabarets à Bafoussam. Au pont, on m'appelait Thugo. À un moment, j'ai dit non, je m'appelle Timamboa qui interprète Petit Pays. Je ne suis pas Thugo, ne m'appelle pas Thugo parce que quand je vois l'âge que Petit Pays a, je ne suis pas loin de lui. On ne peut pas m'appeler Eto, alors que Eto n'a pas mon âge. Appelez-moi Timamboa qui imite Eto. Aujourd'hui, Timba a commencé à faire du monde depuis le ventre de sa mère. Maintenant, quand on dit matérialisation de l'humour en question, ça décolle vraiment quand? Même si c'est tout resté dans le sens. Pour dire décoller, je suis né à Loum. On commence dans on appelle ça quoi? Les congrès. Les colonies de vacances. Les vacances, oui. On fait les congrès. Et puis, vous savez, Loum, c'est une ville cosmopolite. Ouais. Là-bas, on ne connaît pas les villages. Ouais. On ne connaît pas Baham, Bafoussam, Ewondo, machin. Et puis, nous sommes nés comme ça là-bas et la preuve, c'est que je parle au moins 8 langues.
Je parlais les 8 langues sans savoir ma propre langue. Donc je ne savais pas si la langue que mon père parlait est ma langue ou bien c'est la langue de mon ami chez qui je dors souvent. Et ma langue tombe. Et puis on vivait comme ça. Et puis quand il arrivait qu'on organise les congrès, nous les artistes, on faisait tous les congrès. Parce que si c'est les Bakassa, les Zéondo qui ont les congrès, nous sommes présents là-bas, on fait le one man show, on anime. Et puis, on payait 50-50. Hein? 50-50 francs. Attends, que je te rappelle. Ne prends pas ça comme ça. Hein? C'était 50 francs aujourd'hui, comme vos 1000 francs. Comme vos petits 1000 francs que vous avez aujourd'hui là. Les 50 francs là, nous servaient. Puisqu'on vendait le tapioca à 15 francs. Aujourd'hui, on vous en vend à 150 et puis, vous ne vous en sentez même pas. Il n'est même plus le sauveur de ce tapioca là. Donc, on payait 50 pour venir nous voir. Et c'est comme ça que. On nous payait pour voir chez les Zéondo, chez les Zétone, chez les Bamileke, de Bati, machin, et chez les Mundang. Et on allait à Pendja et à Manjo pour prester. On payait 50 pour nous voir et les 50 là nous servaient. Je sors donc de là. Je vais, l'année qui suivait au lycée, je suis au lycée de Loum là. Je vais voir mon professeur de français. Je lui donne l'idée de faire vivre le club théâtre. Je lui donne ma vision. Mon professeur qui s'appelait Madame Mandé. Elle me dit, mon professeur titulaire, elle me dit, hey, vous allez vous en sortir parce que je dis à mon professeur que on ne va pas aller le 9 février faire le one man show, les histoires que les autres font là, Collège Notre-Dame, machin. Elle me dit, au lycée de Loum. Nous allons répéter une œuvre scolaire, c'est-à-dire on va étudier, maîtriser aventure ambiguë. Et donc là, je suis le boss et je joue le rôle de maître Tieno. Et vous savez ce qui était le plus difficile à faire? C'est que dans l'œuvre, il y avait un blanc. Il fallait trouver un blanc. Vous connaissez comment nous avons fait pour convaincre le père de Com pour que son fils qui est... Vous l'appelez souvent quoi, Ngengeru là. Albinos. Vous savez comment on a fait pour convaincre son fils à jouer ce rôle? Il n'était pas comédien. Il fallait que je le prenne pendant des semaines pour le rendre comédien d'abord parce que son teint lui en impose. Il fallait d'abord le rendre comédien. Et puis, je passe 2 semaines à le rendre comédien avant qu'il ne pense à jouer le rôle. C'était des très grands moments de ma vie, dans ma carrière à l'époque. Là. Ouais. La preuve, je vais à Tian. Après ça, je fréquente. Je reviens à Loum pour faire terminal. On m'inscrit comme ça, sans se rendre compte que j'ai échoué premier là. Donc, puisqu'à Loum, quand tu es de doublant, tu ne consommes plus. Quand j'arrive, on me prend là. Oui, c'est le grand Timabua qui est revenu. Chacun est. C'est tellement fier que je vais venir me remettre le théâtre sur pied. C'est comme ça que la même année, au lycée de Loum, on joue une autre œuvre qui n'était plus aventure ambiguë. On a plutôt joué une œuvre de terminal. Et que chacun te demandait que les gars là vont faire comment pour réussir ça. Et on les jouait devant un 9 février, devant les commissaires, le sous-préfet, le préfet de Mungo et tout, tous les collèges là. Et puis on sortait toujours premier. Bon, quand je quitte de là maintenant, j'engrage le domaine culturel et artistique et activité. Ouais. Je viens de Douala, j'ai un bac 4 allemand. C'est même mon bac là qui me fait croire que Thiro m'avait raison quelque part. Thiro m'a eu raison quelque part. Parce que avoir un bac A4 allemand et qui ne me donne raison que de dire Guten Tag, how wie der sind, et que ça suffit là, ça ne me sert à rien. Alors que si j'avais un bac testeur, on peut m'appeler, je fais un numéro testeur, on me donne 100 francs, c'est beaucoup plus mieux. C'est ce que Thiro m'a expliqué. Alors, quand j'arrive à Douala, ayant travaillé dans la banane de Jomé Pendja, je veux travailler pour aller à l'université. Ouais.
orphelin de mon état. Je travaille et puis je vais donc plutôt aller faire une formation technique. Et j'ai trouvé un grand frère à moi, à Loum chez nous là, qui me dit que bon, ici tu ne peux que balayer le sol avec ton bar là. Tu vas laver le sol, tu vas nettoyer les machines, je vais te donner 20 000 mois parce que ici on recrute les techniciens. Et c'était propre, c'était clair. Bon, j'ai un bac à la main. Les techniciens qui vont chez lui n'ont même pas le CAP. C'est les techniciens qui ont appris à conduire la machine. Sont des supérieurs. Qu'est-ce que je fais? J'entre à la maison, je balaye le sol, je nettoie bien. Il est surpris, je nettoie bien. Et après, qu'est-ce que je fais? Je triche. Je regarde ce que les autres font et je les surpasse. Je les surpasse. Je comprends mieux. À cause de mon bac, je comprends mieux. Ce que eux, les boubocs, n'ont pas compris. En 6 mois, j'ai compris en 2 semaines. C'est comme ça que je commence à démarrer la machine, je place le papier, j'imprime, je tire, je fais des trucs. Et mon grand frère, un jour, arrive, il est surpris de me voir en train de démarrer la machine et conduire comme je veux, comme je pense. Et il remonte mon salaire un peu et puis il cale là parce que dans sa tête, j'étais formé. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas te payer 100 000 comme les autres. Tu cales à 40 000 là. Je sors de là étant fâché parce que. Vous savez, la vie est une continuité. Pendant qu'on vit, il y a des circonstances. Aujourd'hui, je suis à la ménopause. Mais hier, imagine. On entend quoi par ménopause? Ménopause. Je n'ai pas dit ménopause. Je suis à la ménopause. Ça veut dire que. Bon. Mot à mot, j'ai mis pause à. Oh, bon, on a connu maintenant les colonies de vacances, on a connu également les KMS scolaires et tout. À Bafoussam, il se trouve que Timba a eu un groupe qui a fait bouger la ville. La purée du riz. La purée du riz, ça a fait mon bonheur. Je suis à Bafoussam en 2004, affecté. Pour aller gérer une imprimerie chez Sa Majesté Tenekam Joseph. Et en temps, mon talent est naturel. Je n'avais pas besoin d'aller faire des demandes dans les radios pour dire que je vais prester. Et ma belle-sœur Carole Essengue, la femme de Eveka, ton collègue, venait à Bafoussam pour animer le mariage du feu Ludovic Chevalier. Il m'a branché sur un certain Siri, Franck Siri, pour que j'aille faire valoir mon talent à une radio qu'on appelait à l'époque Radio Star. Et comme moi, je travaille déjà, je suis allé à Radio Star le lendemain. Celui qui m'a accueilli m'a manqué de respect parce qu'il pensait que je venais demander de l'emploi. Et puis, je me suis fâché. Je lui ai dit que. Dis à ton patron de ne plus jamais me payer. Si tu penses que je suis venu demander l'emploi. Moi, je suis imprimeur, j'ai été affecté. Donc, je partais à la radio pour me réjouir, pour célébrer ma joie et non pour chercher de l'argent. Quand je sors de là maintenant, avec tout parce que moi, je suis très gueulard. Hein. Même mes émissions, le témoin, je suis très gueulard. Je suis satirique. Donc, j'ai insulté le gars là comme ça et je suis parti. Je lui ai dit que bon, monsieur. Tu n'as pas de rien. Oui. Je suis allé faire 2 jours et Jean Bimom, Jean Sang, le téméraire, le célèbre Jean Bimom, Jean Sang de Radio Batcham. Je ne sais même pas par quel canal il a eu mon numéro. C'est là où j'ai compris que la sécurité militaire existe au Cameroun. Il y a ce qu'on appelle. Information. On essaie, il y a des gens qui savent que nous sommes ici, on peut nous prendre à tout moment. Un monsieur m'appelle, il me dit que les gens du monde ensemble. Je dis, mais tiens, il me dit, j'ai un casting. Je veux que tu participes au casting, mais monsieur, qui veut donner mon numéro? Ne sais pas, ça va comment j'ai eu ton numéro. Viens, je me retrouve à Radio Batcham avec mon équipe que j'ai formée en temps pour aller à Star, on m'a barré. On arrive à Radio Batcham, le gars nous fait le casting, là, je passe le dernier et puis il me confie l'émission. Cette émission devait s'appeler Tchapia News. Il me confie l'émission et c'est moi qui recrute.
Du coup, je prends tous mes gars, je pars parmi les gars qui ont passé le Canada. Je prends Chacré Bonheur et quelques personnes, et puis on ferme l'équipe. Et puis on fonctionne, on fait l'émission de Chapierre, sauf encore que c'est des gars qui n'aiment pas le challenge. Timbambo apparaît trop fort. Donc, et du coup, il nuit à notre honneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déranger, il faut qu'il parte. Et c'est comme ça que je sors de Batiam FM pour aller trouver Route FM où j'avais mis la demande il y avait longtemps. On nous appelle, on vient là et je deviens patron. Je deviens boss. Je prends tous ces gars-là. Tu as connu Piment Noir des réseaux sociaux? Ouais. J'ai pris Roi du Combo qui a fait. Et qui a joué Equinoxe. Equinoxe et tout. Ce sont mes fioles. Haricot est resté, il est à la radio de Kétiakouté, sa Baganté. J'ai recruté pas mal de gars. Dimitri Foba est là, il fait Miro FM. Bon, on a fait chemin ensemble. Et puis, quand j'arrive à Douala, je garde mon statut dans le tiroir. J'observe. Jusqu'à ce que le grand Hastinson. Le grand Hastinson me dit, grand, tu ne vas pas passer le temps à. Faut pas ternir ton image comme ça. Allons à Dynamique. À qui je fais coucou. On est allé à Dynamique. On a fait ce qu'on allait faire. Et puis, ce qui m'a beaucoup marqué à Dynamique, c'est que je n'ai jamais, après tout ce qu'on a fait, on m'appelait ambassadeur du bas peuple pendant 6 mois. Je n'ai jamais rencontré un responsable né à nez comme ça pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, qu'est-ce que. Et puis, le peuple va apprécier ce qu'on fait, mais j'ai toujours dit, les pancartes libérées, Timba, ne suffisent pas. Libérer l'ambassadeur ne suffit pas. Il faut que mon employé soit au courant même que je suis là. Bon, ça fait comme ça. J'ai parlé avec toi, il t'a dit, mon petit. Je ne suis plus dans cette radio où je viens pour faire plaisir à moi. Si on m'attrape à Dynamique parce que j'ai parlé, le promoteur va venir dire qu'il n'est pas au courant que j'étais là. Et c'est vrai, je n'ai jamais causé à lui. Je n'ai jamais été avec lui quelque part. Il ne sait même pas que je suis dans sa radio. Ça, c'est vrai. C'est l'aventure, c'est la vie. Ah oui. Je suis encore là. Bon, c'est vrai, je suis en train de chercher un autre couloir. J'ai fait de l'aventure avec Bitakola. Ici, nous sommes à l'anneau hôtel. C'est mon hôtel à moi. Ce qui appartient à mon grand appartient à moi. Ça s'appelle l'anneau hôtel. Dans votre voiture. On a cheminé, je vous ai montré tonnerre et puis bon que on a traversé là et on a garé. Je vous ai fait savoir que c'est chez moi et c'est la raison pour laquelle les grandes réceptionnistes nous ont accueillis avec beaucoup de joie. Et le DG nous a accordé cette interview dans ce joyeux espace. Et alors, tout le temps que j'ai envie de me réjouir et de m'étaler. Je me ressource ici parce que c'est mon village, quoi. Ouais. C'est Futuni. On se sent à la maison. C'est Futuni ici. On est à la source. Ouais, c'est Futuni. C'est la maison. Ouais, Timbamboa. Aujourd'hui, quand on regarde la vie, on se rend compte qu'il y a sur le marché inflation de prix. Les prix ne font que grimper d'une façon incessante. La population, c'est. Ah, on a fait comment? Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Vous savez, quand le Bobolo se moquait du coquille, parce qu'on attachait sa tête, lui ne savait pas qu'on devait venir attacher tout son corps. C'est pour dire quoi? Quand on vous dit qu'il y a guerre en Ukraine et que le prix du pain a grimpé, vous n'avez pas compris que la mère qui vend les noix de palme
doit aussi augmenter son prix parce qu'elle doit avoir l'argent pour acheter le pain. Vous n'avez pas compris. Toi, tu vends le popcorn à 100 francs le sachet. Mais tu dois diminuer parce que il faut que tu vends pour acheter ce qui est cher là, non? Pourquoi vous ne comprenez pas que ça va engager, ça va construire comme ça jusqu'à. Je vous jure, il sera difficile. Est-ce que vous savez que les toilettes publiques ont baissé le. Les toilettes publiques n'ont plus de recettes. Les gens montent maintenant partout là. Parce que payer les toilettes publiques à 100 francs, c'est de l'eau de mer à boire. Vous pensez que. Parce que ma grand-mère qui est au village va vendre son maillot à 200 pour aller payer le pain à 200 le même. Non. C'est la conséquence de la croissance. C'est la conséquence de la croissance des prix. Ça va affecter tout. Man, hey, attention, il faut que je te le dise. Moi-même, à la maison, oh, hey, je me réserve, hein. Quand ta soeur là, ta tante là me touche, je tends la main, hein. Tu as combien? Parce qu'il faut que, hey, oui, oui. Vous devenez Manox? Combien, comment? Il faut qu'elle me paye pour le travail. Donc, pour rendre, pour parce que le lendemain, elle va me demander la ration. Mm-hmm. Elle veut Yamou, elle me paye. C'est aussi difficile de comprendre que ça. Pourquoi tu ne comprends pas aussi facilement? Je dois m'expliquer devant une caméra. Bon, Timba, à côté de ces prix, on rentre encore dans la carrière. Puis je sais, quelles sont les actualités de Timba? Qu'est-ce qui est imminent? Qu'est-ce qui est futur? Qui? Moi? C'est que je deviens. Bon, je suis déjà un patriarche. Donc, je dis pas le projet. Bon, pas ok. Le projet dans ok, ok. Je vais devenir ce que je vais devenir grâce à toi. Mm-hmm. Mais sauf que j'ai un fils qui s'appelle Joris Takam. De son vrai nom, c'est Joris Ivan Nishitizola. C'est mon premier garçon qui est dans le showbiz. Ouais. Il est sorti champion de stand-up jeune là et puis il va faire Olympia demain. Je sais pas. Je crois demain ou bien après demain là. Il m'a demandé que je sois là pour l'encourager. Il lui a dit non. Je ne viens pas. Bats-toi de toi-même. Parce que j'étais Timambo à mon père, ne vivais pas. Ne pense pas qu'il va venir à influencer Kalaba. Qui est, parce que quand on va dire que voilà, son père qui est humoriste, on va dire que on va te donner 18 sur 20 ou bien 10 sur 20 parce que ton père est l'ami de l'autre. J'ai dit, hey, pas toi. Je ne serai pas moi là, petit. Je ne viens pas. Calabar va te donner 1 sur 20, bats-toi pour que c'est les autres jurys te donnent 18 et puis il se trouve qu'il est coincé et puis tu passes comme tu l'as fait pour être en finale. Alors, mon soutien est en interne. Tu veux dire qu'à la maison, je te donne le carnaval. Petit, aborde tel thème, dis comme ça, et puis, n'aie pas peur que Kalaba ait le jury de acquis à la cause de ces fioles. Toi, tu viens de nulle part. Tu sais, le père de Pombia, le père de Pombia, si, le père de Papa Paul, si. On est sur la Pombia. Il était catéchiste, hein? Ouais. Il était catéchiste. Son père n'avait pas 25, mais il est devenu président de la République. Assis là, insistant et puis téméraire. Et qui peut? Hein? Et qui peut? Lui. Ça veut dire que, j'ai dit à mon fils, ne te fie pas à Kalaba, si Kalaba a deux personnes là, ne dis pas que c'est parmi les deux personnes, quelqu'un va gagner parce qu'il est le jury. Il est membre du jury, il n'est pas le collège du jury. Et il est parti, quand les finales, demi-finales, il est aussi en finale. Et aujourd'hui, il est sollicité, il fait un stand-up avec les Marcus. Je parle de mon fils. C'est donc ce que je deviens. Est-ce une fierté? C'est une fierté. Mmh. Une fierté. C'est une fierté. Je n'avais pas souhaité parce que mon fils, là, il est à l'université. Il fait réseau informatique à l'université. J'aurais voulu qu'il soit différent de moi. Mais il a choisi d'être comme moi. Oh, bon.
Si déjà ça va au cœur, c'est... On ne peut pas freiner, on ne peut pas freiner. C'est tranquille, en fait. Timba, où est-ce qu'on peut retrouver facilement les œuvres? Si par exemple j'ai besoin que tu ailles faire une présentation à Paris et que le promoteur me dise, écoute, on veut regarder une vidéo de Timba. Bon, une œuvre de Timba. Je suis désormais avec toi, promoteur Rialo. Je vais revenir en force pour faire montrer de mon image qui a été engloutie il y a longtemps, pour dire que ce qui est vrai, c'est ce qui est naturel. Je ne viens pas en humour pour essayer. Ça, c'est vrai. Et puis, grâce à toi et mon Rialo qui est en face de moi, là, on va faire beaucoup de bonnes choses et que les gens vont apprécier. Pour me retrouver, ce n'est pas facile. Je suis allé à un hôtel, là où nous sommes présentement. Bon, celui qui veut me retrouver maintenant peut me trouver ici, là, non? Ouais. C'est-à-dire que, dis-leur maintenant, là, que s'ils viennent, ils vont me retrouver. Donc, on va te retrouver facilement sur YouTube et tout? Oui, non. Sur YouTube et facilement, Timbamboa, les contacts utiles, on t'appelle comment? Timbamboa officiel sur YouTube. Contact utile, c'est pas facile parce que je suis 659, 34, 43, 22. Ouais. Et il faut qu'on soit sérieux, ce n'est pas pourquoi on m'appelle pour me déranger. Je dis aux petites filles, je suis marié, pas les dérangements. C'est pas moi. Ouais. Oui, je suis calé là-bas. Je suis un patriarche, man. Il ne faut pas qu'on m'appelle pour me déranger. Ouais. Si vous voulez appeler pour marier, vous appelez mon Rialo, mon manager là. Il est encore célibataire. Appelez-le. Alors, tu vas voir, on a un mot de fin, remerciement pour quelques personnes. Un mot de fin, je vais dire merci à Mbutuno. Mbutuno, le propriétaire, mon grand, qui a cet humble hôtel. Ouais. Hôtel Anor, qui nous a permis d'être là et puis qui nous a toujours accordé l'espace. Je lui dis merci. Je dis merci à tous ceux qui nous aiment bien. Ouais. Merci à toi, Hattinson. Merci à Rialo qui est là et puis qui est toujours disponible pour nous apporter son service. Ouais. Je veux dire merci à Nelly qui nous a permis de chauffer son canapé pendant un bon bout de temps. On va finir par dire merci au Dieu Tout-Puissant qui nous a réunis ensemble pour qu'on puisse faire cette réalisation ensemble. Ciao. Ciao. Alors, mesdames et messieurs, c'était une autre édition de votre émission, le Rencard sur MyAfrica TV avec le célébrissime Timba. On vous invite, comme d'habitude, à appeler vos amis, à s'abonner massivement sur la chaîne et surtout de partager nos différentes publications. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. On est ensemble. À très bientôt.